Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la crème à récurer. C'est une crème faite maison, bien sûr, à base de bicarbonate de soude et de savon noir. Le savon noir, lui, va permettre bien sûr de décrasser les surfaces et de les dégraisser. Il est connu pour bien nettoyer les sols. L'autre composant est donc le bicarbonate de soude, qui est une poudre relativement fine, qui va avoir un pouvoir abrasif. Donc qui va permettre de décoller les saletés. Les deux combinés ensemble forment un produit vraiment miracle pour nettoyer tout ce qui va être baignoire, fond de douche, tout ce qui est assez encrassé avec du savon, de la saleté. Là, on est sur un fond de baignoire qui est relativement encrassé. On voit bien ici les résidus de savon qui sont collés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la crème, un peu de crème, qui a une texture plus ou moins épaisse selon le type de savon noir qu'on met. On va frotter énergiquement avec une brosse. On voit ici à la couleur de l'eau que la crasse a bien été décollée. On va passer un coup d'eau chaude pour rincer. On peut voir ici que la crasse est partie. Pour preuve, sur l'autre côté, la crasse est encore là. On va se servir de la crème à récurer pour nettoyer aussi les contours de la baignoire. Alors moi j'utilise un vieux gant de toilette. Je trouve ça assez pratique, on a une bonne prise en main, ça permet de bien appliquer le produit. Je fais aussi, alors là c'est magique, je trouve que ça nettoie les joints de façon exceptionnelle. Ce nettoyage vraiment en profondeur, je le fais à peu près une fois par mois. Et pour l'entretien régulier, j'utilise le produit multi-usage. Je vais vous montrer ici un exemple d'un joint un petit peu jauni. On voit bien que les joints sont parfaitement blancs, parfaitement propres. On a décollé la saleté et l'eau souillée glisse le long de la paroi, comme on peut le voir ici. On voit bien la couleur de l'eau. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à venir voir la vidéo de la fabrication de cette crème à récurer. À bientôt !